Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Assassin's Creed Experience. Je vais vous présenter quelque chose aujourd'hui qui pourrait peut-être révolutionner Assassin's Creed et au sens plus large révolutionner le jeu vidéo. Cette chose, c'est ceci. C'est la veste haptique Owo. Avant tout, merci à Owo qui nous a envoyé cette veste qui fait quand même son petit budget. Cette vidéo, c'est pas une collab. Ils nous ont simplement très gentiment envoyé la veste pour qu'on puisse la tester et faire un retour avec cette vidéo. Avant de la déballer, on va faire un petit tour d'horizon de ce qu'est cette veste et de ce que dit Owo. Alors si je joue dans l'onglet des sensations, ils expliquent qu'il y a plus de 30 sensations différentes qui vous feront vivre le jeu, comme par exemple la sensation de conduire, la sensation de sentir la chute, de sentir les coups de feu, les coups d'épée, de dague, etc. Donc c'est quelque chose qui se prête quand même plutôt bien à un jeu comme Assassin's Creed Mirage, puisqu'on va faire du parcours, on va faire de la chute libre avec le saut de la foi, donc ça peut être quand même plutôt cool. Trêve de bavardage, du coup je vous propose sans plus tarder de déballer ce coffret et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà on a le device. C'est ce boîtier en fait qui, une fois connecté à la veste et une fois relié à l'appli, nous permettra de relier la veste au jeu. Et on a des pads en gel de remplacement, puisque sur la veste, vous le verrez, il y a des petites électrodes qui sont donc reliées directement à la peau par des pads en gel. On a aussi un code de jeu pour avoir Assassin's Creed Mirage. Ce code-là, on va vous le faire gagner. Donc je vous invite à aller dans la description sur X. On vous fait gagner Assassin's Creed Mirage en partenariat avec Owo. Encore une fois, un grand merci à eux. Du coup, la veste, avant de la porter, je vais vous la montrer un petit peu comme ça. Donc elle se présente comme ceci. Elle est vraiment aux couleurs d'Assassin's Creed Mirage, donc c'est très sympathique. Et comme je vous le disais juste avant, en fait, c'est des petites électrodes qui sont partout sur la veste. C'est vraiment une mini chaise électrique, en fait, hein, cette veste, hein, si on veut comparer un petit peu. Donc, je vous propose, sans plus tarder, qu'on installe ça sur moi et puis qu'on passe au test. Chose à noter, et c'est assez important de le dire, sous les pads d'Angèle, qui sont donc ici, il y a des électrodes. Et ces électrodes vont littéralement envoyer du courant. Du coup là j'ai bien toutes les électrodes au contact de ma peau, je les sens. Alors je vous parlais tout à l'heure d'un petit boîtier, c'est ceci. Et ce petit boîtier il vient se connecter à la veste et il se range dans la petite pochette prévue à cet effet. Une fois que c'est installé, on a une application à télécharger. Hop, là ma veste est bien connectée à mon application, vous l'avez vu, ça fait un petit bip. Et donc, pour explorer un petit peu le potentiel de la veste avant de l'essayer en jeu, vous avez une galerie, tout simplement, d'effets que j'ai déjà précalibré pour certains, mais on va voir un petit peu ensemble comment ça se passe. Donc par exemple, si je veux simuler la sensation d'un battement cardiaque, je fais sur Play. Alors là, je le sens, mais très légèrement. Donc on va augmenter un petit peu la sensibilité. Et là, déjà, je le sens un petit peu plus. Ça fait comme un petit... Bah, comme si mon cœur battait, finalement. C'est assez impressionnant. On va augmenter encore un petit peu. Ah! Ok, alors je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai senti mon muscle carrément se contracter, c'est impressionnant. Et ça peut aller jusqu'à 25, hein. On va tenter avant, on ce que ça fait. Ah! Je vous mens pas, vraiment, regardez mon pec. Ah, je bouge, mais je vous jure, c'est pas du cinéma, je bouge vraiment, c'est incroyable. Ah! 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 Ça pique. Ah! Écoutez, maintenant qu'on a exploré un petit peu ce qu'était capable de faire l'application, je vous propose qu'on teste directement comment ça rend dans Assassin's Creed Mirage. Donc on va changer de setup et je vous emmène avec moi dans la peau de Bassim. Je vous jure que j'ai trop peur de voir comment ça rend en jeu. J'ai peur et à la fois je suis très curieux de voir comment ça rend. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au bureau là-bas. Ouf. Ouh là là là. J'ai peut-être un peu forcé sur les paramètres. Ok, c'est particulier. Je vous jure que c'est particulier. Ok. Hop. Ok, donc là déjà je ressens plusieurs choses quand je fais du parcours. Alors, c'est parti. Ok, donc déjà quand je m'agrippe, je ressens des choses. Je vous assure que c'est hyper déstabilisant. La poulie, je ressens aussi. En fait, à chaque saut, à chaque impulsion et à chaque fois que je m'accroche, à la tyrolienne, c'est quelque chose. La tyrolienne, c'est quelque chose. À chaque fois que je m'accroche quelque part, ou que je saute, ou que je m'agrippe, ou que Bassim se réceptionne par terre, je ressens comme si, en fait, j'étais Bassim. C'est assez impressionnant. C'est plutôt pas mal. Est-ce que quand je me cache... Ouais, quand je me cache, j'ai aussi un truc. Comme si les draps, en fait, effleuraient ma peau. C'est là, pour le coup, c'est une sensation très sympathique. C'est pas mal. Après, je pense qu'il faut quand même... un certain nombre d'heures de jeu pour vraiment appréhender correctement ce que peut offrir la veste. Est-ce qu'on n'irait pas se synchroniser tout là-haut pour voir comment ça fonctionne? Moi je vous dis,
Let's go. Et pendant qu'on se dirige vers le point d'observation, je tiens une nouvelle fois à remercier Obo qui nous a envoyé très 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 gentiment la veste. Elle a quand même un coût et on est vraiment ravis de pouvoir vous proposer ça. Donc bah, merci à eux encore une fois tout simplement. Et je vous invite évidemment à vous abonner et à laisser un like et aussi à commenter la vidéo pour nous donner de la force parce que je pense que c'est quelque chose que peu de monde pourra faire sur YouTube, cette présentation. Ah, ça fait du bien quand même de retourner dans Mirage. Alors la synchro, c'est parti. D'accord, la synchro c'est très 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 spécial. Et maintenant le saut de la foi, vous l'attendez tous, c'est parti. Ok, alors ça c'est vraiment impressionnant parce que pour le coup, quand vous sautez, vous avez vraiment une impulsion qui est dans le dos. Quand vous vous êtes en chute libre, ça va être dans vraiment tout le corps. Et quand vous atterrissez dans le tas de foin, c'est vraiment les zones qui sont bah, impactées. Ça fait un petit impact, c'est impressionnant. C'est très très difficile à décrire en vrai, hein. Je pense que vous qui regardez la vidéo, vous devez être très curieux de tester, je pense. Mais je vous assure que c'est particulier. Ok, donc la vision d'aigle, c'est assez rigolo aussi. Ça me fait une toute petite impulsion très légère. Ah, ça c'est intéressant. Quand j'assassine en étant discret, ça me fait vraiment un truc dans le bras. Ah, c'est impressionnant quand même, hein. C'est vrai que c'est très très compliqué à décrire. Et là, mon application me dit que je suis déjà à 207 sensations ressenties. C'est assez impressionnant. Je vais crever. Le truc, c'est que... Ah! Ok, au fight, au fight. Ah, ok. Oh! D'accord, ça, c'est impressionnant. Ok. Wow, les combats, c'est incroyable. Je vais crever. Je vais crever. Je vais crever. Ah, la mort, c'est violent. C'est vraiment spécial. Quand vous mourrez, je vous assure que vous le sentez passer. Hein. Non, non, t'inquiète. Je peux pas me battre. Ah non, j'ai loupé, dommage. Je commence un petit peu à comprendre où en fait la veste concrètement veut m'emmener. Et ça c'est plutôt cool. Et maintenant je suis très très curieux de voir ce que ça rend dans d'autres jeux comme les jeux de conduite. Et notamment The Crew Motorfest aussi fait par Ubisoft. Et pour information, hein, OWO c'est une marque espagnole. Voilà, c'est fabriqué en Espagne. Ok. Ok. Oh. Waouh. Ok. J'ai pris assez d'électrochoc pour un mois je pense là. Boum. Hop là. Ok, donc même les sensations d'esquive sont présentes. Je pense que je vais me faire défoncer. Pas possible. Ah, les impacts de lance. C'est particulier aussi. Fait bouillave par les coques. Ok. Ça c'est plus impressionnant pour moi, c'est vraiment les sensations quand tu fais un finish, elles sont incroyables. Wow. Ok. Bah écoutez, les combats c'est très 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 stylé avec la veste en tout cas. Bah écoutez, c'est tout pour moi, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, ça a été une petite galère pour moi de la tourner et peut-être sûrement aussi une petite galère pour Max de la monter. Si la vidéo vous a plu et si le concept vous plaît, je me propose de pourquoi pas faire Assassin's Creed Mirage complètement avec la veste, peut-être l'année prochaine parce qu'en fin d'année clairement j'aurai pas le temps. En tout cas sachez que la veste est disponible sur le site de OWO, il y a l'édition Mirage, il y a l'édition The Crew, etc etc. Donc si jamais vous êtes intéressé pour la prendre, vous allez sur le site de OWO tout simplement et puis bah faites-vous plaisir. N'oubliez pas qu'on vous fait
gagner Assassin's Creed Mirage en partenariat avec Owo. Ça se passe dans la description. C'est uniquement pour Twitter. Donc, si vous voulez participer, il faut avoir Twitter. Vous allez sur le lien, vous suivez les instructions et tout se passera bien. Bonne chance à tous. Si le format vous plaît, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous envoyer de la force, à bombarder de likes, à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Quant à moi, on se retrouve très prochainement sur la Assassin's Creed Experience pour d'autres aventures. Salut à tous et portez-vous bien.